J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec le partenariat Globeland pour faire un essai pour les cachets de cire. Voilà, donc en premier lieu, je vais allumer la bougie. Alors, je vais essayer de faire ça sur ma plaque de verre parce que je n'ai pas de petit support en marbre. Quoique, je pourrais peut-être mettre ça sur du papier cuisson. Je reviens, je vais chercher du papier cuisson. Voilà, j'ai été chercher une feuille de papier cuisson que j'ai coupée. Hop, je m'en réserve un petit bout ici. Alors, donc la bougie... je vais l'allumer maintenant, hein, le temps qu'elle commence à fondre un peu. Voilà. On va préparer ça. Je vais préparer... On va préparer celui-là. C'est des branchages, des choses comme ça. Alors, hop, je vais maintenir ça. Voilà. Alors, comme c'est des branchages, je vais mettre du verre. Mais alors, je ne sais pas du tout combien il en faut pour un seau. Donc, je vais déjà essayer avec un. Et puis, ben, on verra bien. Je ne veux pas faire de gaspillage. Je vais peut-être mettre un peu plus de lumière. Je verrai peut-être mieux. Non, c'est pas mieux. Oh, je suis désolée, au niveau de la lumière, c'est pas évident. Il fait tout gris dehors. Ah mais en fait ça met du temps à fondre. Ou peut-être ma bougie n'est pas au coxy, elle est... Alors il me faudrait peut-être quelque chose pour touiller un petit peu là-dedans. Je vais prendre mon petit outil là. Oh il est joli ce verre, il y a des paillettes dedans. C'est dommage qu'il n'y a pas une petite spatule. Voyons voir si j'ai quelque chose qui peut aider. Alors, voyons voir. J'ai ça. C'est pas, ça va pas être très large. Bon, écoutez, je vais me débrouiller avec ça. Hein. Oh, mais ça y est, c'est tout fondu. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. C'est la toute première fois que je fais un cachet de cire. Donc, hop. Je pense hein, que c'est comme ça qu'il faut faire. Je pense qu'on attend un petit peu. Ah oui, d'accord, il reste collé sur le truc. C'est pas ce que je voulais. Je pense pas que c'est normal.
Oh, mais c'est joli. Ouais, si j'arrive à tout mettre, je pense que ce sera plus joli. Regardez. Comment je vais faire? Écoutez. Je vais le recommencer, essayer de tout vider d'un coup. Parce que je pense qu'on peut le faire fondre à nouveau, hein. Je vais essayer de vider toute la petite cuillère pour faire un beau rond et je vous prendrai dans l'autre sens pour vous montrer. Oui, effectivement, hein, ça refond. Ah, mais c'est génial! Comme ça, mes essais, je vais pouvoir les garder pour refaire des cachets pour mes enveloppes pour Noël. Parce que là, bah, je vous montre l'essai, mais après, je vous referai une vidéo où je ferai des cachets de cire pour mettre sur mes enveloppes pour envoyer mes cartes de Noël. Alors, on va essayer de tout vider là. Voilà. Hop. On va voir. J'ai mis un peu plus de cire que tout à l'heure. Non, c'est encore pas froid. Hop. Alors, est-ce que c'est normal que ça reste collé au truc? Je ne sais pas, par contre. Il va falloir que je me penche sur la question et que je regarde si dans mes abonnements, j'ai des copinettes qui ont déjà fait ça. Parce que moi, je suis dans l'inconnu, là. Alors, je vais essuyer ça. Hop, je vais prendre un petit papier. Ça, je pense que... Ouais. Ça va, ça se nettoie bien quand même. Donc ça, je peux le récupérer. Hop, je vais mettre ça là. Pas de gâchis. Et puis ça, du coup, bah, du coup, je vais attendre que ça refroidisse un peu, et puis pour tout enlever. Ça se nettoie bien, hein. Et c'est bien parce que ça reste chaud longtemps. Bon, bah, par contre, je pourrais pas me servir plusieurs fois des petits papiers. Alors, on va essayer l'hirondelle, tiens. Je vais mettre une autre couleur. Je vais mettre du bleu, tiens. Allez, hop. Voilà. Ça, hop, je le mets de côté. Voilà. Ça fond quand même assez vite, hein. Je suis impressionnée quand même. Je pensais que c'était plus long. Du coup, je vais peut-être en mettre deux.
qu'avec un, ça fait pas un joli cachet épais. Je pense qu'il faut mettre deux pastilles pour un seau, pour un cachet. Parce que là, vous voyez, on voit pas tout le dessin. Je vais vous montrer après, je vais vous approcher. Alors, je pense qu'après, on peut aussi découper autour du motif. Bon, là, il y en a deux, donc c'est un peu plus long. Allez, c'est parti. Hop. On va voir hein, ce que ça dit. Sur le papier sulfurisé, ça se décolle. Enfin, le papier cuisson. Ça se décolle comme un rien, franchement. Bon, là, c'est un peu plus épais déjà. Ah oui. Ouais, ben en fait, j'ai compris. Hein, il en faut deux par cachet. Hein. Est-ce que vous allez voir quelque chose ici? Non. On ne voit toujours pas. Bon, c'est pas grave. Je vais le refaire celui-ci en essayant de faire un joli rond. Et je vais vous tourner de sens. Je vais tourner le téléphone. Je vais vous prendre dans l'autre sens pour essayer de vous montrer correctement. Eh ben, vous parlez d'un truc. Je pense que je vais être obligée de faire pas mal d'essais avant d'envoyer mes cartes de Noël parce que. Là, c'est quand même pas folichon mon histoire. Bon, en même temps, c'est la première fois que j'en fais, donc. Mais ouais, je pense qu'il va me falloir de l'entraînement. Hein. Allez, on y retourne. Ben, à mon avis, c'est encore pas assez rond. On va attendre quelques secondes. C'est dommage qu'on n'arrive pas à tout vider d'un coup, hein. Ah mince. J'ai pas attendu assez longtemps. Non, c'est pas grave. Ah, j'y suis presque, hein. En fait, il faudrait que j'arrive à tout. Tout récupérer dans la cuillère et je pense que ça me ferait un joli cachet. C'est pas grave. Hop, on y retourne. Ça fonctionne à l'infini ce truc en fait. Bon. Allez, cette fois j'espère que c'est la dernière. Toi, tu restes dedans. Voilà. Je vais essayer de tout faire couler. Avec mon petit outil là. Tiens, si parmi vous, parmi les copinettes, vous avez déjà fait des cachets de cire comme ça, avec des seaux, dites-moi si c'est mieux avec.
plus de comment? Ah mince, j'en mets partout en plus. Avec plus de pastilles ou pas? Est-ce qu'il faut en mettre 3 ou plus ou... Parce que je pense que pour poser le seau, il n'y a pas de façon particulière. Donc à mon avis, ça doit être au niveau des doses de la cire. Allez, là on va essayer de tout vider d'un coup. On y croit. Ah, là, je pense que j'ai fait tout le truc. Bon, on va voir. J'ai essayé de pas mélanger les couleurs, hein, quand même. C'est dommage que j'ai pas des tout petits moules pour vider dedans pour quand vous voyez quand je fais des essais comme ça pour refaire des petites pastilles en fait. Alors, voyons voir. Ah oui, ah bah celui-là franchement, il est joli. Ah oui. Bon, alors, attendez, je vais enlever ça. J'ai essayé de récupérer quand même un maximum. C'est comme vous savez, je n'aime pas le gâchis. Voilà. Par contre, la cuillère, elle reste chaude longtemps. Même ici, hein, c'est chaud. Hein. Donc ça, c'est à ne pas faire avec... enfin, à ne pas faire faire à des enfants. Hein. Ou alors, vous faites avec des enfants, mais c'est vous qui faites fondre la cire. Et puis, bah, l'enfant se débrouille juste avec le truc là. Hop, on va éteindre la bougie. Voilà. Alors, je vais vous prendre dans l'autre sens et vous montrer. Alors, je vais vous montrer déjà le vert. Vous voyez, c'est un feuillage. Voilà. Là, vous voyez mieux. C'est joli, hein? Et mon hirondelle. Hop, voilà. Alors désolé, ça brille un peu, mais la cire est un peu pailletée, un peu nacrée. Mais regardez. Franchement, ça, posé sur des enveloppes, enfin, collé sur des enveloppes pour mes envois de cartes de Noël, eh ben, ça va être plutôt sympa, moi je dis, hein. Alors sur l'ouverture colis, vous ne voyez pas correctement. Les motifs sur les... Hop, du coup, je vous les montre comme ça. Voyez? Ça, c'est l'hirondelle ici. Là, c'est le feuillage que vous voyez ici. Franchement, c'est beau. Alors, ça doit être en laiton, je pense, parce que c'est lourd. Là, ici, des petits sucres d'orge. Alors, c'est avec ça que je vais faire mes cachets pour fermer mes enveloppes. Voilà. Et le dernier, les feuilles.
exotique. Alors j'ai regardé sur internet, c'est du ginkgo, je crois. Il me semble que ce sont des feuilles de ginkgo, hein, quelque chose comme ça. Je revérifierai parce que je voudrais pas vous dire des bêtises non plus. Voilà. Mais moi je trouve ça super beau. Et puis alors franchement, je suis fan de mes petits tampons là. Enfin pas là parce qu'ils sont pas bien faits, mais franchement sur des courriers ça va être super. Et puis alors lui, regardez comme il est beau. Franchement, il est magnifique. Alors il va falloir que j'arrive par contre à faire rouge et blanc pour les sucres d'orge. Mais ça, c'est une autre histoire. Vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Parce que je ne peux pas tout faire d'un coup. Donc, ouais, vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Mais franchement, je ne suis pas mécontente de mon petit kit là. Et puis, bah, comme pour celui-ci, là, vous voyez que je veux faire deux couleurs. J'ai deux cuillères là en rab. Donc, je pense que je vais faire couler déjà le blanc ou le rouge, je ne sais pas. Enfin, un des deux. Je vais faire couler un des deux et, enfin, faire fondre un des deux. Et quand le premier sera fondu, je mettrai le deuxième à fondre et pendant ce temps-là, je ferai déjà le tampon avec le premier. Et ensuite, j'aurai plus qu'à vider la deuxième couleur là où je veux en mettre en fait. Ouais, je pense que je vais faire comme ça. Enfin, on va voir. Dans la prochaine vidéo, vous verrez comment je me débrouille. Bon, ça va pas être. Je pense que ça va être rigolo, mais bon. On verra ça. Hop là, faut pas que je mélange les couleurs. Voilà. Ben écoutez, moi je vais vous laisser sur cette première vidéo avec le partenariat Globeland. Hop, faut que je nettoie tout ça. Allez, je vous fais des bisous et on se retrouve 7 jours plus tard pour la démonstration des cachets de cire en deux couleurs. Wali walou! Allez, je vous fais des bisous. Comme d'habitude, vous allez avoir toutes les infos défilées sur la vidéo et vous aurez des infos complémentaires en barre de description sous la vidéo. Wali walou! Je vous fais des bisous, je vous dis à tout bientôt. Bye bye!